monde, bienvenue. Coucou. Miss Nut, salut Miss Nut. Vous avez demandé au retour. Mais oui, aujourd'hui on va faire une review Tsum Tsum, regarde, avec 8 peluches, 2 coffrets. C'est trop beau. Alors, t'as complice ou un tic? Oui, alors regarde d'abord. Harajuku, donc c'est le coffret Harajuku du Japon. Ma Miss Nut. Petit beau petit bébé. Petit beau petit bébé. Assistant, remettez. Bah Miss Nut, tu casses déjà le plateau. Alors Harajuku, ça vient, c'est un quartier très populaire de Tokyo, vous l'avez visité avec moi. C'est mon bébé. Oui, c'est votre chéri Tak. Alors les logos Tsum Tsum, alors dans celui-là on a qui? On a Mini, on a Daisy, Marie et Clarisse. Ouvre la boîte. Attends, il y a aussi celui-là, donc celui-là, donc... Celui-là, non. Donc le second coffret, je l'ai commandé des États-Unis, c'est Mini and Friends. Nous avons Mini, nous avons Daisy, nous avons Marie et nous avons Miss Bunny, ma copine de Pampan. D'accord, merci, calmez-vous un petit peu. Merci. Bon, je vais ouvrir pour commencer ce coffret. Alors, je vous montre des petits dessins, des petits personnages à l'intérieur. Tu es très énergique, tu t'étais calmé pendant les grandes vacances. Les logos Tsum Tsum. Tu as un accordéon. Un accordéon? Vous l'avez déjà fait. Hein. Donc j'essaie d'ouvrir. Alors, j'ai essayé. Les menaces. Mais Miss Nut, ça suffit! Non, d'une belette. Alors là, j'ai mis les personnages normaux. Enfin, je les ai pas tous. Par exemple, j'ai pas Clarisse, mais j'ai Miss Bunny. Par exemple, j'ai Marie Daisy Mini. Donc, qu'on retrouve ici, par exemple. Donc là, on a les quatre personnages. Et Miss Nut. Miss Nut, calme-toi. Mais tu vas casser quelque chose, arrête donc. Voilà, j'ouvre un coffret. Y'a un cadeau. Mais c'est une cartouche d'encre Epson. Mais quel est le rapport? Miss Nut. Elle balance des perruques. Fais attention Miss Nut, calme-toi un petit peu là. Mini qui est très belle. Donc pour comparer à celle-là, Mini habillée mais vraiment trop belle. La Mini, donc elle fait pas de clin d'œil, elle est trop belle, avec une queue un peu plus fine, un peu plus longue. Voilà, donc son vêtement avec des petites dentelles. Donc là, on a le petit nœud. Ah, Mini, elle est trop belle avec de la dentelle, des petits rubans. Là, la robe, alors franchement, elle est doublée en plus. Elle est adorable avec du ruban. On a même ici des petits lacets. Voilà, c'est très joli. C'est très détaillé en fait. Voilà, donc elle a même du maquillage au niveau des cils. Voilà, donc pour comparer à elle. Ensuite, Daisy, je vais vous comparer. Donc elle aussi, elle a les cils roses. Voilà, donc vous voyez bien la différence. Le nœud ici a des petits pois, donc tout est changé. La robe, bah, comme Mini, vraiment magnifique. Voilà, je la trouve vraiment trop belle, la petite robe. Alors, on va essayer de continuer dans le calme. Alors, voici Marie. Ah, j'ai fait plus rien, là. Alors, Marie, hein, bah, comme les autres, sauf que c'est les couleurs qui changent au niveau des robes. Voilà, mais elle aussi, un petit maquillage au niveau des cils. Elle est vraiment adorable. En plus, Marie, c'est un de mes personnages préférés en Tsum Tsum. Voilà, donc je suis vraiment contente de l'avoir aussi. Et pour terminer, Miss Bunny. Donc, c'est bien parce que j'ai les quatre originaux. Alors, elle, ils ont rajouté ici un petit ruban. Voilà, sa robe, donc les couleurs changent. Oh non! Trop mignonne. Voilà. Et c'est marrant parce que là, ça a été inversé, ouais. Les couleurs. La queue est blanche et là, elle est jaune, c'est inversé. Voilà, donc ça, c'est très original. Qu'est-ce que tu fais? Oh, oh pas le berger! Bah, je te regarde. T'as fait une moustache, Fluffy? Oui, elle est belle, la moustache, pas comme ta tête. Ouais, j'aurais le Harajuku. Tu jamais dit qu'elle hein. était belle, ta tête, elle est moche comme tout. Ah oui, c'est vrai. Toi, t'es une beauté, t'es un canon de la mode. Hein. Bah, un peu plus belle que toi, quand même. Fufi, qu'est-ce que tu fais là? Je crois que t'aimais pas les Tsum Tsum. Et pourquoi t'as la moustache? Ouais, pour faire style. Parce que je l'ai teint pour faire plus jeune, regarde. Eh oui, avant j'étais un château noir, mais j'ai vieilli et mes poils sont devenus tout gris. N'importe quoi, on est avec une couleur de poils. Ça s'en change pas. Bah oui, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, mais si, tête d'andouille. Alors. Ah bon? Le Harajuku. Tu peux pas manger mon gland, putain? Harajuku Mini. Pas faim. Donc pour vous comparer, Harajuku et nous, Mini. Mickey. Pourquoi? T'aimes bien Mickey maintenant? On a une petite différence au niveau des couleurs. Faut lui donner une claque. Voilà. Bon, c'est juste les couleurs qui changent, mais c'est la même robe, la même dentelle, les mêmes rubans. Il est où Gaston?
Il est où Gaston? Bah il est reparti chez lui. Ensuite nous avons Daisy, donc je vous montre les changements. Il est où, parti? Les couleurs sont presque pareilles. Il est où? Il est où? On sait pas. Voilà, et regardez. Moi j'aime bien Gaston. Ah ouais, moi aussi. C'est vraiment très similaire en fait. Il est gentil, puis c'est un petit rigolo ce Gaston. En fait, ce qui va changer ce niveau. Oh bon, c'est tout relatif. Il est pas moche, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Ah ouais, donc là, on a plus de rose dans la Marie Radio. J'ai fait un selfie avec. Oh, la chance que voilà. T'as. Mais les couleurs changent. Et j'ai cru qu'il allait me faire piller, mais gratte. Oh là là. Ah, moi, je l'ai pas eu la chance. Si, je l'ai croisé une fois, il m'a fait une serre de main. Bon, vous arrêtez de parler là. J'aimerais bien faire ma review. S'il vous plaît. Et je termine par Clarisse, la copine de Tic et Tac. Je suis sûr que Francis, il est au Gaston. Elle est vraiment mignonne, la copine Francis, de Tic et Tac. Francis, le frère de lui, là, d'Eric. Donc, oui. J'adore ce personnage, je l'avais pas parce en Tsum-Tsum. Francis, une petite écureuil magnifique, et c'est la petite copine de Tic et Tac. Les écureuils. Oh, Mika, j'ai pas compris. Je sais pas. Eric, il est où Gaston? Parti. Donc là, ouais, je vous présente Clarisse, la copine de Tic et Tac. Donc regardez, ils sont des petits bisous. Ah, ils sont trop mignons les deux ensemble. Elle est très moche. Ouais, on va aller chez. Alors, elle, j'adore parce qu'elle a des couleurs vertes, bleues. Elle est très laide. Elle est très moche avec sa robe verte. On a une ballerine de bas niveau là. Ouais, elle est laide. Voilà, donc je vous ai présenté ce coffret. Donc, quel est votre préféré? Moi, je vais dire Clarisse. Allez, c'est Clarisse. Ah oui. Et comme ça, pour avoir Gaston. Bah, moi, je contacte Mickey, moi, Francis, et on verra qui c'est. Oui, Gaston. Super. Allez, on y va. Au revoir, Eric. Au revoir.